Good morgen, allez, Daniel Sisra, aujourd'hui, le Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Ritna, Dvora, Bat Esther, et Allegria, Bat Sol, Ben Soussan, Levet, Ben Ish. Si vous souhaitez, vous aussi, des bonnes prochaines études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Massachat Nedarim, Perek Gimel, Mishnah, Hey. Arei Netiot, Aelu, Korban, Im Einan, Niktatzot. Talitzo, Korban, Im Einan, Isrefet, Yesh, Laen, Pidion. Renetiot Aelu Korban Achi Katsetsu, Talitzo Korban Achi Tisaref, En Lahem Pidion. On traduit directement une Mishnah relativement facile. Are Netiot Aelu Korban Emanan Niktasot. Voici ces pousses-là, ces plantes, ces arbustes. Netia, c'est un arbuste qu'on était Notea, qui pousse, mais qui est encore jeune. Et en tout cas, elle a dit ces arbustes-là seront comme un Korban, donc il est interdit. Avec un par un éder comme un korban, im einan niktsasot. Si toutefois, ou bien, ouais, si toutefois elles ne sont pas déracinées, si elles ne sont pas cueillies, c'est-à-dire si elles ne sont pas déracinées. En fait, le partenaire explique qu'il y avait un vent très fort qui soufflait, et il était sûr que d'ici quelques minutes, c'est sûr que finalement ces petits arbustes ils vont tous se faire déraciner. Et il a dit, tu sais quoi, je vais sanctifier. Si toutefois il reste sur pied ces petits arbustes, je les rends kadosh. Laissez tomber ce qu'on parle de Neder ou pas, on parle réellement de Neder, mais c'est pas grave, on peut même expliquer la Mishnah en tant que réellement en Korban, c'est-à-dire qu'il est les rend kadosh, puis Kdushat Mizbeach. C'est nécessaire pour la suite, sinon vous n'allez pas comprendre c'est quoi le pidyon. Et ça, je préfère éviter d'entrer dans trop de complications, donc on va expliquer qu'on parle qu'il a réellement rendu Korban. Il a sanctifié les Netiot, si toutefois ils ne sont pas déracinés les Netiot, elles seront comme un korban. Elles seront, donc elle aura une gdusha qui va tomber dessus, et qu'il faudra nécessairement racheter, donner la contre-valeur au trésorier du Beth Amikdash. Ou encore, talitzo korban yemenan yisrafet. Je sanctifie ce talit si jamais il n'est pas, ce talit, ce vêtement, s'il n'est pas nisraf, s'il ne se fait pas brûler. Soit il y avait un incendie, et il a dit, si jamais mon vêtement il est sauvé, je le sanctifie au Beth Amikdash. Alors la Mishnah me dit, Yesh la'en pidyon, eh bien, dans ce cas-là, si toutefois finalement il s'est avéré que le feu n'a pas brûlé le vêtement, le vent n'a pas déraciné l'arbre, donc il a sanctifié, il y a eu une gdusha qui a été appliquée dessus, et dans ce cas-là, il pourra les racheter, faire un pidyon, parce que tout celui qui a rendu kadosh, c'est un parachat de Béhar, de Chokotay, plutôt la fin de Chokotay, la Torah l'explicite. Lorsque tu as sanctifié quelque chose, tu peux le racheter, tu dois le rajouter le cinquième, et la chose redevient ta propriété. C'est ce qui se passe ici avec le vêtement et avec les arbustes, il les a sanctifiés, et bien qu'il les rachète, s'il veut. Par contre, s'il a dit « Aren etiota elu korban achi katsetsu » Regardez la différence. Il n'a pas dit « Aren etiota elu imena niktsatsot » si elles ne sont pas déracinées. Il a dit « Je vais sanctifier ces petits arbustes jusqu'à ce qu'ils soient déracinés. » Ou encore, Talitzo Korban Hach et Tisaref. Je vais sanctifier ce vêtement-là jusqu'à ce qu'il va se faire brûler. Alors, dans ce cas-là, je me dis, NLM Pidion, on ne pourra pas les racheter. Soit, alors là, on n'a pas vraiment compris de quoi ça parle, mais en fait, on va l'expliquer, c'est très simple. C'est qu'il avait un objet qui était prévu qu'il allait mourir bientôt, qu'il allait se faire brûler, ou bien qu'il allait se faire déraciner. Et il a dit, je le sanctifie. Tant qu'il n'a pas été déraciné. Regardez cette phrase bizarre. C'est pourquoi tu le sanctifies tant qu'il n'a pas été déraciné. Sanctifie-le et c'est tout. Pourquoi tu le sanctifies tant qu'il n'a pas été déraciné? Tu es venu inclure dans ton expression quelque chose de très particulier. C'est que même si en fait, quelqu'un, on va venir, on va racheter. Vous savez que quand on a quelque chose kadosh, en général, sur le même cas, on peut toujours acheter la gdusha. J'ai sanctifié mon livre. Et maintenant, je peux, si je veux, je peux amener, je veux dire, écoute, ce livre, il coûte 50 shekels, tu mets 50 shekels, tu dis que la gdusha du livre, elle passe sur l'argent. Ouais, la gdusha que tu as sanctifié. Eh bien, selon le même principe, maintenant, il a sanctifié les petits arbustes, il a sanctifié le vêtement, mais quand? Tant qu'il n'aura pas été brûlé, tant qu'il n'aura pas été déraciné. Donc, si quelqu'un, il va le racheter... Alors bravo, tu l'as rendu profane, Khulin, mais de nouveau, il va redevenir Kadosh, parce que le gars, quand il a prononcé son Eder, ou son Ekdesh, il a dit que ce sera Ekdesh, pour toujours, tant que ce sera pas déraciné.
Donc, si finalement la Kedusha s'enlève, il y aura une nouvelle Kedusha qui va s'appliquer. Et si la Kedusha, la deuxième, elle va s'enlever, la troisième, elle va s'appliquer. Sans arrêt, parce qu'elle a dit que ce sera tant que. Ouais. C'est-à-dire, tant que t'as pas. Tant que tu vis chez moi, tu prends 10 shekels pour manger. Bah, tant, ça veut dire que tu prends 10 shekels, tu vas manger avec, après tu reviens, tu prends 10 shekels, tu peux manger. Parce que la Kedusha, elle est. Enfin, ce que j'ai donné, je l'ai donné à des chez. Même principe. Avec le, ce que tu as sanctifié, tu l'as sanctifié jusqu'à qu'il soit déraciné. Donc, c'est manière, on va racheter la Kedusha, tu vas faire sortir ces Kedusha, les pièces, elles vont devenir Kadosh, mais malgré tout, la Kedusha que j'ai prononcée, elle va recommencer à être appliquée de nouveau. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hashtag Kol Tov, c'est là.